Ah, on est bien, Cerise, on est bien. On va pouvoir continuer tranquille. Et voir un peu où on en était. Ah, ces musiques chargées. Village naufragé. On est à la maison. C'est pas mal d'être à la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ouvrir la fenêtre. Tire un peu le rideau. Pas celui-là, par contre. Pas trop celui-là, plus celui-là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a à faire? Où on en était? Il y a beaucoup de choses qui sont à faire, je pense. J'ai un peu mal à la gorge que j'ai attrapé froid. C'est le changement de température et tout. C'est un peu chiant. Oh, j'ai aucune idée d'où on en est dans le jeu. On va regarder le journal. Normalement, il y a Dana dans notre équipe déjà. Oui, c'est ça. Il y a Dana dans notre équipe. Ça, c'est bien. Elle nous avait rejoint. Elle nous avait aidé à défendre le village dans une cinématique classe. Et maintenant, il fallait faire quelque chose. Ah, inspectons la tour de bas aux côtés de Dana. C'est vrai, la tour de Dana. De bas, il y avait Mute. Ouais, la tour de Bahamut, c'était ça. Il y avait quelque chose qu'on pouvait trouver là-bas. Alors, je sais plus exactement quoi, mais. Est-ce que le volume de ma voix n'est pas trop fort? On va faire ça. Moins 2. Voilà. Ça sera peut-être mieux. J'espère. Mais le jeu, il fait peut-être un écho là. On va peut-être faire ça. Voilà. On est mieux. Partie 5, donc on a uni nos forces pour défendre le village, etc., etc. Alors avant de partir sur les quêtes principales, comme d'habitude, on va voir ce qu'il y a de secondaire à faire. Donc faut livrer un œuf. Je trouve un œuf par hasard, j'aimerais le rapporter à son nid. Ok. Je suis en train de fabriquer un truc génial sur rapporter les matériaux nécessaires. Il y a des ennemis à tuer. Et une vallée à faire, ok. Il y avait aussi des cadeaux à donner aux gens. Je voulais me renseigner là-dessus pour être sûr de pas de donner les bons cadeaux aux bonnes personnes, mais je l'ai pas fait. Parce que j'ai encore oublié. Et là, je me suis dit en faisant les trucs secondaires, c'est quoi autant. On va essayer de faire les cadeaux, on va bien lire et essayer de comprendre à qui faut donner quoi. Salut. Apparemment, le calme pour construire le bateau est terminé. Si seul Doggy et les autres s'en occupent, la construction pourrait être plus compliquée. J'aurai un coup de main à l'occasion. D'accord. On va passer à l'océano, soit. Désolé, je toussais. Doggy, on peut le laisser tranquille. Comment on ouvre cette map là? Ah, comme ça, voilà. Pas très pratique ça en fait. Là-bas, y'a personne. On va juste parler un peu à tout le monde, voir ce qu'on peut faire. On peut se reposer. Je crois que c'est pas nécessaire. Enfin, je crois que c'est pas nécessaire. Donner le savon de flocon de neige. Comment ça? T'avais déjà tout acheté? Ah oui, j'avais acheté les cadeaux. D'accord. Vraiment? Attends. Attends, 17. Wow, ouais, si j'avais acheté, je sais même pas. Ok. Si je me rappelais pas. Du coup, j'avais déjà acheté les cadeaux, du coup, j'étais prêt à le faire. Ça, c'est bien. J'ai vu qu'il y a un autre cadeau que je peux acheter déjà. Voilà, des lunettes chic. Je prends. Ah, et c'est ça, je peux pas en fait, parce que j'ai pas le stuff. Ok, je pensais les avoir déjà acheté, non. En fait, ça disparaît, ça. Et voilà, les lunettes chic ont disparu. On peut faire une bouteille avec des pains de. Ah, on peut farmer des bouteilles. Ça, c'est intéressant. Augmentation des chances de récupérer un objet rare.
Non. Ce masque dégâts des techniques x2, mais consommation, non c'est merdique. J'ai assez d'insecticides, on va quand même en faire un peu. Enfin muqueuse, ça demande de la du mucus. Hein. On va en faire deux. Là pas j'en ai. Je vais faire plein de baies. Des mangues-mûres, j'en ai 14. Ah, c'est bien ça. Résurrection plus récupération de 1000 PV. D'accord, c'est en fait le... les baies dragons, maintenant j'ai compris, c'est juste le buff. D'accord, c'est le buff de des mangues, des noix et tout ça, ok. Plus féroce, tout ça j'ai assez. Plumes tranchant, j'en ai pas beaucoup. Pour... rien que pour la forme, j'en fais. Je devrais peindre, franchement, je devrais crafter que ce dont j'ai besoin. Dans certaines situations, par exemple, là, j'ai besoin de fibres de grande qualité. Ailes bleues du ciel, carapace adamantine et fibres de grande qualité. Mais je sais même pas combien. Attends, on va le faire un par un. Deux ailes bleues du ciel, ok. Ailes bleues du ciel, mucus brillant. Il m'en faut deux. Mais d'accord, les ailes. J'ai déjà oublié. Oui, il m'en faut deux. Du coup, on va en faire deux. Ok, je suis perdu. Oui, voilà. Et pour en faire deux, il me faut 4 mucus brillants. Donc, il faudrait 8 mucus brillants. Mucus brillant, c'est où? C'est là. Non, c'est ça. Peut-être dans le générique. Mucus brillant. Ah ouais, ça demande beaucoup. Et du mucus normal? Mucus impur, on peut faire du mucus impur, non? Ok. Vas-y, mucus impur. Faire 4 mucus brillants. Compliqué en fait, hein. Ouais, c'est mort. Tant que je peux pas faire tout, je ne fais pas, simplement. Carapace d'adamantine. Carapace d'adamantine. Ici. Il m'en fallait combien? Sur le même bordel, il m'en faut 3. Il m'en faut 3, carapace d'adamantine. Ça, je peux en faire 3. Ok, cool. Et ici, il me faut de la fibre de grande qualité. Il m'en faut 3 également. De la fibre de grande qualité. Je peux en faire 3 pile poil. On va faire peut-être du minerai, du coup. De tectonique, là. Très bien. Donc, avec ça que je dois faire, ça je peux le faire. Ça me donne envie de le crafter, hein, mais bon, j'ai pas assez d'items, du coup, ce serait chiant. Le rare. Ok. Reprise, donc c'est pour faire l'inverse, c'est pour décrafter les items. Ça, c'est intéressant quand même de pouvoir décrafter. Peut-être qu'il y a des items que j'ai beaucoup qui donnent du mucus. Ça en donne 10. Non, je vais en échanger un pour essayer de comprendre. Ah ouais, ça m'en a donné 10. Herbe claire de lune. Ah ouais. Du coup, je peux forcément faire mes ailes bleues maintenant. Intéressant. Il me fallait deux, je crois. Exactement. Bah tant mieux. Comme quoi, il faut jouer avec le système. Hein. Je peux même faire du poisson. Non mais tout ça c'est des poissons que j'ai déjà pêchés forcément. Oui forcément. C'est ce qui me permet de nourrir le piaf. Alors, excusez-moi. Bah, je survis. Difficilement, mais je survis. Tellement de lumière. Oh, c'est bien. Et du coup, on va parler aux gens. Tu as l'air le plus qualifié pour t'occuper de la production de bois. Je veux que tu diriges le processus de fabrication des matériaux. Commençons par la quille du navire.
Elle doit pouvoir supporter une mer déchaînée. Je compte sur toi pour qu'elle soit parfaite. Ce sera de ta faute si le bateau coule. Nice. Ouf, tu dis ça si facilement. Bah oui. Laisse nous occuper du bateau, blabla. Ah merde, il disait un truc drôle. Dommage. Nettoyer des gardiens. Le problème des gardiens, c'est qu'ils viennent du mont, blabla. Okay, ça, c'est juste la quête, tuer des mobs. Ah, mais il me l'indique sur ma carte. Cool. Montrez la carte, d'ailleurs. Est-ce que tu as des trucs à me donner? On n'avance pas tellement. Oh là là, j'ai pas mal montré et démonté. Ah oui, c'est vrai que je peux démonter des items pour avoir des matériaux. Pour moi, je vais pas trop le faire. Je suis pas un mec qui vend ou qui démonte mes items. En général, si c'est pas nécessaire. Je vois, il n'y a plus trop de dialogue. Du coup, je peux faire ça. Fabriquer un objet. Bac sainte. Bac de pureté réduisant les PS consommés. Os outre-monde, rocher dragon. Ah ouais, c'est des items, mon ami. Bac roublard, j'en ai. Anneau illuminé. J'essaie d'avoir un truc de chaque quand même. Résistance hémorragique ou critique, esquive plus 10%. Ça peut être sympa. Griffe, guérison des ténèbres. Ouais, ouais, bon. Hein, c'est pas non plus. C'est pas non plus la folie. Qu'est-ce qu'il a à dire? Le vieux, il en demande trop. Je ne suis pas un constructeur de navire, c'est de l'exploitation. Ouais, ok. Bon, il y a des dialogues pourris, on va arrêter. Avec quoi ça? Ça monte juste 10 mètres au-dessus que j'aurais pu faire en sautant, non? C'est ça. En sautant. Oui, grosse graine. Mais en fait, t'as qu'un seul choix pour donner les items. Tu peux pas te faire avoir. Donner pigments de cette couleur. Les points de localisation. Voyons voir. Est-ce que j'ai localisé des trucs? Non. Parler. Voyons voir. Je répare, ok. Un peu gênant. D'accord. Mais en fait, on peut donner les items au pif aux gens. Au pif au maître. Bah, dans ce cas, on va donner les items. Hein. On va sauvegarder juste pour voir si l'affinité augmente bien. Comment je suis censé faire? Normalement, dans le journal, personnage, c'est ça. Genre Doggy là. Non, pas Doggy, aussi Doggy. Affinité 2 étoiles et Saad, affinité 2 étoiles. Dans des trucs. drapeau de pêcheur. Adol a offert à Saad un grand drapeau de pêcheur. Oh, mais c'est un drapeau de pêcheur, la fierté des pêcheurs. Un drapeau de pêche, la fierté des pêcheurs. Je brûle d'envie de monter sur un bateau. Idéal pour trouver du courage. Comment on utilise? Oui, les jours où on rentre avec ce pavillon hissé, tous les villageois sont heureux. C'est comme un signal de fête. Les pêcheurs en sont très fiers. Adol, toi aussi tu as un don pour la pêche. Il faut qu'on aille pêcher ensemble un jour, je t'amènerai dans un de mes endroits préférés. Endroit secret. D'accord. Apprends-moi tes techniques secrètes. Bien sûr. Nice. Oh, en plus ça booste les stats. Ça booste les stats. Donc faut vraiment le faire en fait. L'attaque de Saad a augmenté de 5. L'attaque d'Adol de 2. En plus ça booste Adol à chaque personnage. C'est ça que ça veut dire? Qu'Adol il va être boosté à chaque fois. Et donc Saad là, c'est mon ami. Oui, voilà, affinité 3 étoiles. Et là je lui donne une perle de jaspe. Il sera encore plus mon pote. Adol a offert à Saad une perle de jade. Il la donne, merci. C'est une jade rare. On dit qu'elle porte bonheur au navire. C'est la première fois que j'en vois une aussi grosse. Oh, mais t'es dégueulasse, Saad. Ça devrait être un beau souvenir pour Damia. Damia? C'est qui Damia? Ah, je ne te l'ai pas dit, c'est ma femme. C'est une très belle femme aux cheveux noirs, mais elle aussi est un peu excentrique. Elle vient d'une bonne famille, mais elle a fini avec moi. Comment ça, mais? T'es un gars sûr? Toujours belle, étincelante, franchement, je ne mérite pas une femme pareille. J'espère que cette jade lui fera plaisir. J'aimerais bien la rencontrer. Oh, bien sûr, quand tu veux. Ma fille, Teti, est aussi très belle, en plus d'être adorable. Elles vont t'adorer. En tout cas, j'ai un beau cadeau. Et je dois tout faire pour lui offrir, merci.
L'affinité de Sade est au maximum. Défense de Sade plus 5, défense d'Adol plus 2. Nice, on a un frère. Affinité au max. Et du coup, quand il a l'affinité au max, il se passe quoi? Note sur le personnage. Une mère de famille idéale. Sa femme Damien est une mère idéale. Elle a malgré tout accepté d'épouser Saad. Comment ça, malgré tout? C'est quoi ce mal parler pour Saad, le pauvre? Doggy. Renforcer le village. Allez, on va renforcer ça. Tant qu'on est là à lui parler. Allez. C'est vraiment parce que... hein. C'est vraiment pour faire plaisir. Hein. Pas mal de stuff, hein. Ok. Demande de l'entraînement, non, cancel plan d'action, comment ça? Hein? Y'a des nouveaux trucs, numéro 50, 42. Les assauts de plan d'action, ils sont pas forcément dans le scénario, c'est bizarre. Après, en vrai, je suis fini au 40 et j'ai pas envie de faire des plans d'action. À donner de tort, boyau. Oh. S'il y survit. Oh, Doggy, pour lui, c'est rien ça. Adol a offert à Doggy le torboyau. Ah, mais c'est qu'il a l'air bon cet alcool. Adol, beau boulot. C'est pas rien ce que t'as trouvé. T'es de bonne humeur. Ne bois pas trop. Ah, je sais bien. Juste un verre pendant le travail ou plutôt pour travailler énergiquement. En tout cas, celui-là, je vais en apprécier chaque gorge. Merci, Adol. Doggy. Ah, y'a pas de stats pour Doggy. Ni pour Adol, du coup. J'ai rien d'autre à lui donner. Ok. On va faire ça avec tout le monde. On va voir s'il y a des gens un peu partout. Des gens. Ici. Savon de flocons de neige. Du savon. Du savon. Ne me dis pas que. Le savon de neige disparaît aussitôt des mains d'Adol. C'est bien du savon! Je pensais qu'on ne pouvait pas trouver du savon sur cette île. Mais ça tombe bien, j'accepte volontiers. Hein? Ah, I saw what you did there. Ah, il y a quelqu'un à qui j'aimerais bien. Eh bien. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai. C'est parce que j'en ai besoin. Un transpondeur ne doit absolument pas laisser des traces sur ses objets. C'est pour ça qu'il est important de garder son corps propre. La sensibilité me sauve, vraiment. Enfin, il était juste dégoûté qu'on se lave pas très bien sur cette île. Et il veut pas l'avouer, alors il dit que c'est pour son boulot. Mais je comprends, hein, on pue tous la merde depuis deux semaines qu'on est sur cette île. Et on s'habitue simplement à ces odeurs pestilentielles, mais Humel ne s'y habitue pas. Ah, il était à affinité 1. Ok, son objectif caché était de livrer à Thanatos, ouais. Ça, on a vu, là, livrer les plans d'un bateau à Thanatos, parce que Thanatos, genre, il avait lancé une bouteille à la mer en mode « Prenez les plans d'un bateau, histoire que je fasse un bateau. » Ok. Y a rien d'autre. On peut livrer l'œuf, on fera ça après, c'est la première chose qu'on fera. Lui, il a pas d'item. Lui, tout le monde s'en fout. Ah, mais il m'a redit le truc dégueulasse. Alors, laisse-nous nous occuper de la construction du bateau. Si on échoue, c'est Aaron qu'il faudra blâmer. D'accord. Elle veut rien. On va voir là-haut d'abord. Catherine, tu veux quelque chose? Oh oui, une barrette en argent, Catherine. Adol a offert à Catherine la barrette en argent. C'est pour moi? Pourquoi tu me donnes ça? Je pense que ça t'ira bien. Ça t'irait bien. Toi aussi tu dis ce genre de choses. Ça ne te ressemble pas. Bah je sais pas, j'allais pas dire que ça servira, ça sera utile. Ça voudrait dire que tu sais pas de quoi faire, alors tiens une barrette pour tenir tes cheveux. Ou alors peut-être c'est parce qu'elle veut crafter un truc plus utile en argent avec. Peut-être. Mais tout de même, une aussi jolie barrette.
Elle te plaît pas? Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Si, si, beaucoup. Ah, désolé, tu t'embêtes étrangement pour moi. C'est peut-être parce que je fréquente trop le monde des artisans. Je ne suis pas habitué à être traité comme une femme. Merci. Mais en discutant avec toi, je ne vois plus le temps passer. Viens voir quand tu veux pour forger des armes. Allez, au revoir. L'affinité de Catherine a augmenté. Sans me donner de stats. Améliorer les armes. J'ai maxé. Pas plus la maxime, il faut de la tectonie toi. Créer des équipements. J'ai fait quelques brigandines n'empêche hein. Elles sont beaucoup plus intéressantes que le reste. Très bien, et d'ailleurs elle a quelque chose à dire. On peut produire aussi la plupart des pièces en étal, oui ok. À ce propos, les sables que manie Dana, ils sont plus lourds que je n'imaginais. Où peut-elle bien trouver la force de les manier avec ses petits bras? Ça m'intrigue vraiment. Ah mais elle s'est entraînée avec Guts. Donner une grosse graine. Adol a offert à Little Paro une grosse graine. Quoi? Énorme, une graine. Je veux manger, vraiment. Bien sûr. Nice. Pour quelqu'un qui te fait nice. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Tu es devenu un ami. Merci. J'aurais dû mettre je compte sur toi. J'aurais préféré. Mais j'ai juste appuyé sur X. Merci, c'était bien. Mais tu viens avec nous. Venir ensemble. Moi rester sur île. Moi partager nourriture. D'accord. Je pensais qu'il voudrait venir. Pas encore monter plus haut? Ah oui. Stylé. Oh stylé. N'empêche que le feu il fasse une fumée aussi grande qu'on voit de loin, c'est toujours marrant. On va voir les autres persos. Y'a le peintre psychopathe là. Pigment des 7 couleurs. En gros de la peinture. Adol, ne me dis pas que tu m'as apporté de la peinture. Merci, tu es un grand sensible en fait. Aussi, il prend les 7 pigments colorés à Adol quasiment de force. Maintenant, j'ai envie de te remercier. Oui, c'est l'occasion. Je vais vite utiliser cette peinture. Je vais réaliser ton portrait. C'est cadeau, c'est pour moi. Ah ok, c'est cadeau. Il n'y a pas plus grand bon honneur, tu as de la chance. Oh, je vais être peint et je vais être dégueulasse. Bien, c'est fini. Oh, c'est bizarre, il est en fond dans l'image, mais en écrasé. Cette peinture révèle toute ta bonté, non? Oula! Ah! C'est bon, ça? Tu dis des choses bien étranges. C'est peut-être que toi, enfin. Mais à Gria, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien à l'art. J'ai des camarades qui ne se gênent pas pour dénigrer mes peintures. Ah bah, on se demande pourquoi. En fait, tu ne m'as pas encore donné tes impressions. Alors, qu'en penses-tu? Tu veux même donner un avis franc? C'est original, j'aime bien les couleurs. Tu as remarqué, en effet les couleurs sont mélangées, elles expriment le mystère de la vie. On n'entendait pas moins d'un aventurier. Bien une fois que je serai retourné sain et sauf Agria, je t'inviterai dans ma demeure. Et je te montrerai en exclusivité d'autres toiles. Je suis impatient. L'affinité augmente, tant mieux. L'affinité c'est pratique aussi dans les défenses et dans les attaques, parce qu'il te donne des bonus beaucoup plus intéressants. Est-ce qu'il était... Non mais quand ils sont maxi, ils te le disent le jeu te dit. Le jeu te dit quand l'affinité est maxée, y a pas besoin que je regarde à chaque fois. Ah ici il y a plein de légumes à récupérer. Il y a encore 3 graines du coup que je peux trouver si je peux prendre. Hein. Il y en a 2 par ligne, 3 lignes. Très bien. On peut pas upgrade cet épouvantail quoi. Allez, qu'est-ce qu'il veut? Collier à clochette, c'est pour son petit Picard ça. Adol a offert à Reja le collier à clochette.
Attendez, attendez, monsieur Adol, c'est quoi ça? Moi, je suis né riche, si vous voulez me donner quelque chose, je veux plus. What? Piqué. Picard arrive au pied de Régé à quatre pattes. Car se frotte violemment contre lui. Ah, toi, tu t'es encore échappé sans prévenir. C'est pas de la nourriture, si tu le manges, tu vas être malade. Non, mais il le veut. Toujours comme ça, t'es un petit malin. Bon, je vais te le mettre, alors reste tranquille. Bah, ça tombe à pic. Et douce avec Sion. Comme ça, il est gêné. Mais non! Ça fait longtemps que je traîne avec lui, et puis c'est un compagnon de naufrage, et puis. Bon, on dirait qu'il est content. Et s'il disparaît encore, il sera facile à retrouver. Je vous remercie, monsieur Adol. Pas de problème. Maximum! Non, c'est bien. Ah, il est content. Oui, il va bientôt falloir récolter pour les réserves. Monsieur Adol, vous pouvez m'aider si vous avez du temps. Ça ira plus vite à deux. Ah bon? Oh bah aidons-le hein. Avec travail. Quel enthousiasme, Raja. Tu es devenu drôlement dué pour les travaux de la ferme, dis donc. Ah, c'est beau. Tu ressembles de plus en plus à un adulte, très bien. Continue de faire du bon boulot. On va lui faire plaisir. C'est bien, le petit, il a confiance en lui, c'est important. C'est cool. Il a toujours pas volé ce qu'il y a dans son coffre. Oh, il a vraiment le petit collier, c'est trop stylé. Bonjour. Parlez avec Quina. Alors, viens par là. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Attends, alors, en ce moment, je suis en train de fabriquer un truc génial. J'aimerais bien que tu m'aides pour ça. Ah oui, c'est la quête. Allez, tu dois absolument m'aider. Un porte-bonheur, c'est encore un peu trop tôt pour partir en voyage. Monsieur Fabrique, je vois pourquoi il veut dire ça, mais bah, vas-y. C'est pour donner à quelqu'un, mais... Dis Adol, comment tu savais ce que je fabriquais? Il expliqua que c'était écrit dans le titre de la requête. Hi, ça c'est une erreur de calcul, j'ai pas le choix, faut que je te raconte Adol. En fait, j'avais dans l'idée de fabriquer un joli porte-bonheur et de le donner à une certaine personne. Du coup, je cherche des matériaux qui brillent de mille feux. Si tu avais trois écailles de dragon, tu me les donnerais, n'est-ce pas? Bien sûr. Et tu ne lui avoues pas ton amour? Oh, j'ai pas compris. Mais je veux dire ça. Quelle idée vraiment? Enfin, à plus tard alors. Non mais je vais lui donner. Rigoler. Mais c'était quoi la quête en fait? C'est quoi le délire? Je lui ai parlé juste pour lui donner un item, moi je crois, pour faire la quête. Du coup je suis perdu. Qu'est-ce qu'elle voulait? Porte-bonheur de voyage. Ah ouais d'accord. Bref. On va lui donner des écailles de dragon. Vous donnez à Quina 3 écailles de dragon. Waouh, comme je m'y attendais, merci Adol. On s'y met? Je vais emprunter les outils d'Aaron, discretos. Discretos, mon gars. Et en frottant ici, avec ça comme ça. Yeah!
C'est fini, voilà une belle amulette en forme de baleine. Oh, elle va pas tarder à te trouver. C'est joli. Tu trouves. Sur ce, je vais aller lui donner Adol, tu viens avec moi. Ok. Oh. Oui, ça c'est bien ça. D'après Shahad, on offre un porte-bonheur de voyage aux tombes qu'on embarque. Il dit qu'il sert de guider pour aller jusqu'au paradis. Tu aimes bien le capitaine, n'est-ce pas? Enfin, il m'a sauvé la vie, quoi. C'est pas grand-chose, mais il m'a pris sous son aile et je me souviens de son grand corps. Il a mis sa vie en danger pour me sauver, alors que j'étais enfermé. Merci et pardonnez-moi. Tu es forte. Parce que même quand on est au bout du rouleau, on n'a pas le choix. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été sauvé par plusieurs personnes. Ma mère qui m'a donné la vie, mon père qui va travailler loin de chez nous. Vraiment, je dois ma vie à plusieurs personnes. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de ne pas rire. Capitaine, je vais bien. Et tout le monde est en pleine forme. Alors pas besoin de vous inquiéter, ok? Allez, reposez en paix, d'accord? Ensuite, Adol aide à Quina à nettoyer un peu le cimetière. À l'entendre, c'est ce que faisait Quina tous les matins sans faute. Puis ils prièrent ensemble sur la tombe du capitaine Barberose pour son repos éternel. La quête porte-bonheur a été accomplie. Nice. La fité augmente. Ah! Des mangues mûres. Ah, le capitaine. Est-ce que tu veux du poisson, toi? Non, aucun poisson est donné. Ah oui, il y avait ça aussi. On pouvait lire. Qu'est-ce que vous voulez, Doggy? Je suis le vœu de pouvoir toujours manger et boire comme j'en ai envie. C'est comme ça qu'on sait, en fait. Faut avoir lu à l'avance les coquillages. Et puis, automatiquement, le jeu, il te débloque le dialogue qui permet de... Donc, je me rappelle déjà les avoir lus, je crois. Mais je me rappelle plus de ce qu'ils avaient fait. Toujours plus rapide, plus fiable. Je le vœu de... Comment la faire prospère, rien d'autre. Elle veut devenir un excellent médecin comme mon maître. J'ai plein de choses à faire pour le moment, mais pour le moment, je veux la paix dans le monde, d'accord. Déjà, je veux devenir plus fort que mon père et aussi devenir super célèbre. D'accord. Ah, Adol, il a fait un truc. Je veux de m'en sortir absolument, de rentrer chez moi, puis de transmettre cette aventure à la prospérité. Et c'est ce qu'il va faire. Je veux que ma famille et le sourire aux lèvres pour toujours. Je veux que tout le monde puisse quitter cette île sain et sauf, Dana. Je veux de forger un jour l'arme suprême qui surpassera celle de mon grand-père, le Dragon Slayer. Je veux que tout le monde reçoive la lumière. D'accord. Et ici, je veux de faire retrouver son rang à ma famille, ouais, à la famille Roswell. Okay. Je veux un look de bimbo. Ricotta, elle comprend rien à la vie. Une promotion, la gloire, le bonheur des copains. Le bonheur des copains, c'est vrai que ça m'a fait rire ça. Je veux qu'il n'arrive rien à ma famille. Je veux que se réalise la mission de toute ma vie, un rire par jour. Je veux de passer mon nom à la prospérité, non négociable, Austin. Non négociable, qui dit. Bon, la petite, j'ai un cadeau pour elle quand même. Merci d'être venu avec moi, Adol. Bon, continuons d'entraîner la fleur. Si elle fleurisse bien, il faudra aller les déposer sur la tombe du capitaine. Ok, j'ai pas de truc à lui donner. Et allons dans la grotte. Catherine, je lui ai donné. Ah oui, les vêtements d'Alison sont là parce qu'elle est enceinte. Et du coup, je peux
crafter des trucs si j'ai envie. C'est vrai que j'avais crafté aussi les vêtements pour tout le monde. Ça c'est bien. Armure, bracelet à épine. J'ai l'impression que je peux le crafter juste histoire de l'avoir, mais peut-être le loot. S'assure augmentant l'attaque ultime en cas d'attaque ennemie sur un des compagnons. Quand l'attaque ultime, tous ces trucs avec des conditions, c'est pas top. Hein. Durée des esquives éclairs multipliée par 2, ça c'est bien. Mais bon, c'est mieux le truc que j'ai qui augmente les critiques. Les gardes parfaites, c'est plus intéressant, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a personne, ils sont tous autour d'Alison. Il avait caché son ventre rond pendant des mois. Enfin, comment on l'aurait pu... C'est n'importe quoi. Mais bon. Genre, la meuf, elle a caché le fait qu'elle était enceinte, comme ça, au pif. Si tu veux. Bon, discutons avec les gens. Ricotta. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Réfléchissons-y. Oui. Tu vois, j'ai une jolie petite pierre. Jolie petite pierre, t'es sérieux? Elle a offert à côté les jolies petites pierres. Toutes les sous de brillantes rondes et carrées à la fois. Plein de jolies pierres. Je vais pouvoir faire plein d'accessoires avec. Merci beaucoup. Les vêtements aussi sont faits main. Tu es bien élégante. Les vêtements, je les ai faits à partir d'objets échoués. Et je les ai rendus élégants grâce à des livres. Tout mon village est élégant, j'apprends beaucoup. Adol le Rouge te va bien, t'es classe. Oh là là. J'ai cru que c'était Adol le Rouge, c'est son surnom. Du coup, j'étais en mode Adol le Rouge, te va bien. Genre, le surnom lui va bien. Alors que lui, il est en mode le Rouge, lui va bien. Ah, je vais rougir. Toi aussi, t'es mignonne. Mais je suis mignonne et cool. J'y pense. Pour te remercier pour les pierres, je vais te fabriquer des accessoires qui te correspondent. J'ai hâte. Nice. Ah, des stats, c'est ça qu'on veut. Stats. Parler. Oh, je peux lui donner deux trucs. Je sais que je suis parfois d'humeur exécrable. Bon, faisons tout notre possible pour que le bébé naisse sans problème. Nous allons surveiller Alison à tour de rôle. Je suis sûr que ça ira. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Tu te ressens plus. Tu te ressens plus de petite fille. Elle va être contente. Adol a offert l'accès à l'ours en plus. Oh, il est très mignon. Il est tout doux, la finition est de qualité. Cette pupille toute ronde est adorable. Dis Adol, je suis heureuse que vous me le donniez. Mais pourquoi une peluche? Je suis une femme. Quelque chose de plus convenable pour une, de plus convenable pour une demoiselle. Il ne te plaît pas? C'est pas ce que j'ai dit. Simplement être encore traité comme une enfant. Non, laisse tomber. M'offrez quelque chose et j'ai commis une impolitesse. Merci. Je ferai mieux la prochaine fois. Adol, je crois que c'est évident. Mais vous avez un côté sensible caché. Mais peu importe, ce n'est pas sa faute. Et puis les moments calmes sont assez rares ces derniers temps. Je vais décorer la chambre. FT augmente. Attaque et attaque. Très bien. Je donnerai les lunettes après pour mettre un peu de temps entre les deux cadeaux. Ça sert à rien, mais moi ça m'intéresse. Aidons-nous tous, tout ira bien, c'est sûr. Nous aussi allons faire de notre mieux. Oh là là. Les phrases sont un peu dégueulasses. Hein. Nana. Alison est inquiète. A-t-il rien que l'on puisse faire? Si au moins son mari était encore vivant. Donnez la boîte à musique en argent. Adol a offert à Dana la boîte à musique en argent. Oh! Waouh, quelle belle boîte! Il y a des motifs de fleurs gravés. Ce sont des dessins de cette époque. Adol, elle sert à quoi cette boîte? Et en fait, la faire fonctionner.
Elle ouvre la boîte, elle a fait fonctionner. Oh, de la musique sort de la boîte. De la musique avec des plaques de métal. Oh, c'est gracieux, ça résonne jusque dans mon cœur. C'est vraiment une bonne idée d'utiliser le métal de cette manière. Content que ça te plaise. C'est la première fois que tu vois ça. Content que ça te plaise. Oui, ça me plaît beaucoup. Les objets de cette époque sont vraiment intéressants. Adol, merci. Je vais en prendre grand soin. Nice. L'attaque. Parfait. C'est rien que l'on puisse faire si au moins son mari était encore vivant. J'aurais jamais cru qu'Alison soit enceinte. Je vais apporter mon aide au Dr. Leech. Je n'ai aucune expérience en accouchement, mais en tant que servante de Dieu, je vais pouvoir faire quelque chose. Tiens, chapelet en argent. Adol a offert à Sonia le chapelet en argent. Ah, il a été fabriqué par Aaron. Mais comparé à ceux de l'église du dernier firmament, sa confection est inégalable. Cette personne fait vraiment un travail magnifique. Abby ne fait pas le moine. Il devrait pouvoir vivre de ce métier. Ouais, il pourrait vivre de ce qu'il fait. Oui, Aaron devrait pouvoir devenir un bon artisan. Peut-être qu'il est même davantage fait pour ça que pour la police militaire. Et au fait, je vous remercie beaucoup de me faire un cadeau si magnifique. Que les cieux vous bénissent. Qu'ils vous bénissent aussi. J'ai besoin de votre bénédiction. Merci bien. Je suis très chanceuse. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Je vais aussi trouver ce dont je suis capable. Le Dieu céleste nous envoie des épreuves et nous devons les surmonter. Maximum. Ça, c'est bien. Adol, pouvez-vous venir avec moi un instant, quelques instants? Ah ouais, merde. En fait, c'est une scène quand ils ont le cœur et tout au-dessus. Moi, j'ai cliqué juste pour parler. Bon, faisons la scène. Cette évasion, c'est une question de temps. C'est grâce à la participation de tout le monde. Vous me flattez, ma soeur. Mais vous aussi, vous en faites partie, en fait. Vous êtes tout le monde. Je suis un poète pour tout le monde. Mais non. Je suis sûr qu'elle aide à faire la cuisine, moi. Ou le ménage, ou des petits trucs, n'importe quoi. Je pense pas que ce soit un poids. Enfin, que elle dit plus ça parce que genre elle a pas un magasin ou un truc qui aide dans le jeu, mais en vrai, tout le monde peut aider là dans le naufrage. Salut Leech, Tony. Ah ok, il peut pas me... Ah mais j'ai pas de bouteille disponible, c'est ça? Oui, c'est ça. J'avais déjà tout fait. Ok. Et qu'est-ce que tu peux me dire? Il faut absolument qu'Alison se repose jusqu'à l'accouchement. Elle n'est pas dans un état inquiétant, mais sa force semble se dégrader. Moi aussi, je me prépare à l'accouchement. Encouragez tous à Alison. Ok. Très bien.
Bah, je crois que c'est bon, on a fait tout ce qu'il y avait à faire dans le village. On va continuer le jeu. Hein. On va dormir pour se reposer. Mais bien ça un moment. Oui. Oui, madame. Toujours le même bordel. Ils vont se coucher. PV, tout est